90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, on a déjà commencé à parler nautisme avec Marianella Clavier. Bonjour. Vous êtes responsable Europe des Freedom Boat Club, le plus ancien, le plus grand club nautique au monde. Alors, c'est une tendance assez développée aux États-Unis, un peu moins chez nous, mais le nautisme que vous prenez se fait par abonnement, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir son bateau. C'est le nautisme un peu plus accessible pour tous, finalement, Marianella. Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment le but de la marque. C'est d'inviter plus de monde à découvrir ce que c'est le plaisir du nautisme et d'oublier toutes ces peurs autour de la navigation, de sortir sur l'eau tout seul, etc. On est vraiment là. On a une équipe qui accompagne le membre à partir du moment qu'il rentre dans le club jusqu'à ce qu'il se sente à l'aise en mer. Donc voilà. Et on est toujours là pour préparer les bateaux et qu'il n'ait que du plaisir sur l'eau. Que du plaisir, effectivement, c'est le maître mot. Freedom Boat Club. Dites-nous exactement comment ça fonctionne. Je veux être adhérent, je veux m'abonner. À partir de ce moment-là, comment ça se passe? Donc, on vous accueille au club. Vous payez des frais pour accéder au club. Mm-hmm. Ce sont des frais à payer une seule fois à vie. Et ensuite, vous avez un abonnement à payer tous les mois. Grâce à ça, vous avez accès à une flotte de bateaux. Donc aujourd'hui, vous avez envie de faire du wakeboard, vous prenez un bateau un peu plus sport, bien motorisé. Vous avez envie de faire la pêche, vous prenez un open. Enfin voilà, vous avez accès à une flotte de bateaux et pas que au club où vous êtes adhéré. Vous mm-hmm. pouvez naviguer à votre club de domicile, mais aussi partout en France, dans tous nos clubs et partout dans le monde. On a plus de 380 clubs dans le monde. 380 donc, voilà. clubs entre l'Espagne, l'Angleterre, la France, évidemment, le Danemark, l'Australie, l'Amérique du Nord, 90 000 adhérents, finalement. Maintenant, Jean-Marc, vous avez une question? Oui, j'ai deux questions à vous poser. La première, c'est les bateaux en question. C'est vous qui êtes les propriétaires ou vous êtes oui, un peu... c'est le club qui est propriétaire. Qui est le propriétaire. Ouais. Et la deuxième question, c'est vous êtes implanté dans combien de ports, combien il y a d'endroits où on peut vous rencontrer et vous trouver? Donc, ici, on est en France. Donc, on va parler de la France. On est à Canet-en-Roussillon, au Cap d'Agde, à Montpellier, à Marseille. Voilà, donc ça, c'est pour la Méditerranée. Et on est aussi sur la côte atlantique, à La Rochelle. Cinq sites en France, et on le disait pendant la pub, là, pour le moment, on parle de nautisme en mer, mais vous voyez large, finalement. Vous n'allez pas faire que ça, possiblement, en France. Tout à fait. Non, en France, on aimerait bien aussi avoir des clubs sur des fleuves et pouvoir attirer toutes ces personnes-là qui aussi sont fans de la navigation fluviale. Et notre rêve, ça serait d'avoir, bien sûr, un boat club à Paris. Jean-Marc ? Oui, alors vous avez dit qu'on prenait un abonnement à vie et puis ensuite on payait. C'est l'ordre de grandeur des sommes qu'il faut débourser, c'est combien ? Donc les frais d'entrée, on va dire, sont entre 2000 et 2500 euros. Ça va dépendre du club à payer une fois. Et ensuite, les mensualités, on va de 299 euros à 400 euros. Ça dépend vraiment du club parce que voilà, les places de port coûtent le prix des places de port et des frais sur place sont différents d'un club à l'autre. Donc chaque club a ses prix, mais voilà, ça oscille entre... Affiliés en fait à des clubs existants, c'est ça que vous faites? C'est ça. Est-ce que évidemment, on l'a vu, vous vous adressez à des particuliers, mais est-ce que vous faites aussi les entreprises? Oui, tout à fait. On propose aussi des abonnements pour les entreprises, ce qui est très sympa parce que les entreprises vont pouvoir proposer des sorties sympas à leurs clients, mais aussi à leurs équipes. Pourquoi pas faire des activités de team building en mer au lieu de aller au golf ou des choses ainsi. Enfin, ça change, c'est nouveau, c'est innovateur et c'est très agréable et sympa. Vous employez combien de personnes en France? En France, on est deux personnes. Il y a mon supérieur, le directeur général, qui
gère l'Europe. Oui. Et moi, je suis responsable des opérations en Europe. Mais après, on a une équipe très, très large parce que, voilà, plus de 380 clubs, c'est... Mais la majorité des employés sont aux États-Unis. Oui, c'est ça. Et en Europe, vous allez continuer à vous étendre ? En Europe, on va continuer à se développer. On a des pistes en Allemagne. En Espagne, on a envie d'encore grandir. Et en France, bien sûr, on aimerait bien avoir 3-4 clubs supplémentaires l'année prochaine. C'est le pays idéal pour vous, ça, c'est sûr. Voilà. Toutes ces côtes. Merci beaucoup, Marianella Clavier, d'être venue nous voir. Merci. Responsable Europe des Freedom Boat Club, si vous voulez vous abonner. Voilà, c'est possible de faire du nautisme sans posséder, vous voyez, son propre bateau.